Se lancer dans la création d'entreprise n'est pas chose aisée. Alors, pour aider de futurs entrepreneurs à se lancer et surtout à trouver contacts et conseils, le pôle entrepreneurial étudiant de Lorraine a mené hier au Carimo Vafforbach un happy hour. Dans un cadre convivial et détendu, étudiants, novices et professionnels ont parlé création d'entreprise. Un reportage de Fanny Bragard. Vafforbach accueillait hier son premier Happy Hour au Carré Mauve. Initié par le PIL, le pôle entrepreneurial étudiant de Lorraine, ce concept novateur vise à faire se rencontrer autour d'un verre des jeunes désireux d'entreprendre, des étudiants entrepreneurs, des créateurs d'entreprises et des représentants des structures à même de les accompagner dans leurs projets. On s'est rendu compte que parler d'entrepreneuriat sur les bancs d'université, ça n'avait pas de sens et il fallait trouver un moyen de le décloisonner, de donner envie aux gens de venir entendre parler d'entrepreneuriat. Et on a trouvé que le concept d'un bar, les happy hours, avait vraiment du sens. Puis on discute en toute convivialité sur des grands thèmes de l'entrepreneuriat, de 18 à 20h, 22h, minuit s'il faut. Et il y avait de quoi débattre puisque jusqu'à près de 22h, une soixantaine de personnes originaires du bassin houillé, de Metz et même du Luxembourg ont navigué selon leurs besoins et leurs interrogations entre trois pôles, créateurs, financiers et accompagnement. Une rencontre nécessaire car si l'entrepreneuriat fait rêver, de nombreux obstacles subsistent. Entreprendre, c'est quelque chose de très particulier. Souvent, il y a des barrières, les gens se mettent des freins, des frontières. Pouvoir se rencontrer et discuter de l'entrepreneuriat convivialement autour d'un verre avec des professionnels, des porteurs de projets, des étudiants qui travaillent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le meilleur moyen de faire avancer la création d'entreprise en France. Avec la création du statut étudiant-entrepreneur il y a 2 ans, les jeunes ont enfin la possibilité de se lancer tôt, accompagnés par des structures comme l'Espace Entreprise à Sarreguemines ou l'Eurodev Center à Forbach. Je crois que nos jeunes ont besoin de se sentir épaulés et on a besoin de leur inculquer cet état d'esprit entrepreneurial qui fait que, qu'ils soient plus tard salariés ou chefs d'entreprise, ils aient envie d'aller de l'avant et qu'on transforme cette espèce d'appréhension en adrénaline. Et c'est également un moyen pour nous de détecter les futurs porteurs de projets qui auront envie de s'installer sur notre belle région qu'est la Moselle-Est. Un vivier d'entrepreneurs qui se construit au sein de l'IUT de Moselle-Est grâce à 2 diplômes uniques en Lorraine. La licence entrepreneuriat et le DU entrepreneur, où voient le jour des projets variés, portés par des jeunes motivés qui croient en l'avenir du bassin houillé.